c'est le successeur de Disney. Ouais, au cas où on sait plus. Donc je pense que c'est la vidéo la plus en retard que vous n'avez jamais faite. Je pense, hein, on en a fait d'autres en retard, mais nous allons parler, donc vous l'avez vu, de En Avant. Donc le film qui a floppé entre guillemets parce qu'il est sorti juste avant le premier confinement. Donc du coup sorti au cinéma sûrement piraté. Ouais voilà, du coup. Bah oui, certainement le box-office, tout... Ah oui, sûrement, j'ai pas, aucun, je me suis pas aucun, renseigné, aucun... mais... bien parasité. Voilà. On pensait qu'on verrait sur Disney+, et ben et non. J'ai même été étonné, parce que comme vous le savez, on aime bien être surpris. Maintenant, du coup, on se renseigne pas autant comme avant à chercher partout les dates de sortie. Si c'est... Voilà, on est surpris, on a été surpris par Lucas. Pour nous, il est descendu nulle part, on vous l'avait dit. Il est sorti de nulle part, on vous l'avait dit. Et donc celui-là, j'étais dans un magasin maintenant, et je le vois en DVD, je dis « What ?» Il est en je m'attendais, j'étais sûr qu'ils allaient sortir sur Disney+, plus, et il est sorti en DVD comme ça, j'ai pas vu de pub spécialement, je crois pas à la télé. Il y a rien qui est passé. Et il est sorti plus que ça, quoi, ouais. Il y a pratiquement 2 ans, 1 an et demi presque. Hein. Ça doit faire un truc. Donc voilà. Bah, 2 ans, donc on avait vu des bandes annonces tous les deux, on n'était pas fans, on s'est dit bof, voilà, c'est vrai, on a. Bah ouais, on trouvait ça un peu bizarre, le fait qu'il y ait des licornes, que ça parte un peu. Et qu'il y avait des iPhones, des voitures, voilà. Deux mondes un peu voilà, la monde médiéval et monde actuel mélangé, enfin on s'est dit plus que voilà, la bande annonce nous avait pas du tout. Pas spécialement accroché, voilà, on n'est pas. Et là, du coup, je l'ai vu, je l'ai acheté, j'ai dit à Princesse, allez, viens, on va en parler 3 ans plus tard, c'est pas grave. Et justement, pour vous remercier de votre fidélité à ceux qui sont là, qui venez voir un avis sur un film que vous avez probablement déjà. D'ailleurs, vu. D'ailleurs, on va vous le dire, on va spoiler, on bah vous oui, dira à partir de voilà. Quand, on va dire très rapidement notre avis sans spoiler au début. Mais pour remercier ceux qui sont là, qui veulent nous voir notre avis des années après, que vous l'ayez déjà des vu. Des années après. Pratiquement. que vous l'ayez vu légalement ou pas, méchant. Voleur, vaurien, rien qu'un morceau de pain. Bon, on vous fera gagner une petite enveloppe avec des petits cadeaux, mais ce sera des petits trucs en fait. On avait fait des petits stickers avec Meiko en Seigneur des Ténèbres. Mm-hmm. Donc un petit sticker Je suis méchant et un sticker Princesse Je suis une princesse en Princesse et l'Onui. Donc si vous avez vu le clip de Taram, si vous l'avez pas vu, honte sur allez vous. Le voir. Vous n'avez pas le droit de participer si vous ne connaissez pas le clip parce que sinon les autocollants, les cellules. Ils servent à rien. Voilà. Et donc pour les gagner, ça va être simple entre guillemets, c'est que Princesse ou peut-être moi, on va dire un mot particulier qui aura peut-être un rapport ou non avec la conversation. La première personne qui l'aura mis en commentaire, et ben on la contactera. Voilà, on enverra ces petits stickers, peut-être des badges, des petites dédicaces, mais ce sera une petite pochette. Ce sera pas un gros cadeau comme on n'avait jamais fait. C'est pour remercier ceux qui vont regarder. Comme donc on n'avait jamais fait. Comme on n'a jamais fait, quand on avait déjà fait, quand on avait envoyé des poupées, Mickey, oui, tout oui, ça. Oui. Donc on va dire notre avis. Donc en avant, voilà. Voilà, en avant. Avant. À chaque fois que j'ai en avant, je pense à la musique des Muppets qui est en avant, tout que. Oui, c'est vrai. Voilà, donc du coup, je crois qu'ils s'appellent pas du tout comme ça en VO, comme d'hab, la traduction française. Bref, on va dire un avis déjà très rapide, sans spoil, même si vous l'avez déjà vu, pour ceux qui veulent quand même notre avis et qui l'ont pas encore vu. Honneur d'âme. Salut. Je me casse. Alors, j'ai passé un bon moment. Bah moi j'avais tellement entendu dire oh il est vraiment très bien, du coup bah j'étais ah bah il va être bien. Ouais mais non mais bah, je veux dire vraiment très bien, vraiment très bien. Un peu comme Saul en fait. Bah, vraiment très bien, bof, ouais. Ouais. Sympa. Ouais, je l'ai trouvé plus intéressant que Saul. Plus intéressant que Saul, oui. Plus intéressant, parce que je pense que Saul, ils ont voulu avoir une espèce de trop grande ambition. Peut-être. À mon avis. Je m'attendais à beaucoup plus, et là, mais dès le début, dès le moment où vous verrez les premiers, parce que vous savez qu'il y a un rapport avec la magie, dès le moment où vous verrez la première magie apparaître, vous comprenez que ça va être un film triste. C'est vrai. Oui, oui, bah oui. Sans spoiler, je sais pas ce que disent les bandes annonces, mais c'est quand tu vois la magie qui s'arrête au milieu, si je veux dire. Triste, triste, émouvant. Voilà, émouvant, bien sûr. Ouais, voilà, du sentiment. Après. Mais non, après. Oui, voilà, bien, mais sans plus non plus. Enfin. Ouais, bah ouais, c'est. Non, voilà, c'est. Il est au-dessus de tous les films que j'ai vu récemment pour moi. L'histoire change un peu de l'ordinaire. Voilà, donc comme vous pouvez vous en douter, c'est encore un film où il n'y a plus maintenant d'amour, d'un homme, une femme, enfin voilà. Non. Maintenant c'est la famille. C'est vrai, c'est la famille.
Et là, vous le savez dès le premier quart d'heure que ça va tourner autour de la famille. Oui, bah oui. Et mais c'est pas grave, il y a pas de. Ouais, c'est pas évident de pas spoiler après. Mais voilà, bah donc, là, on ouais, vous c'est, conseille c'est, beaucoup. C'est pas facile de rester flou. Ouais, mais par contre, je comprends pas comment a fait Pixar pour sortir en avant, ensuite Soul, ensuite Lucas. Je trouve pour moi que c'était super proche pour c'est des films. Rapproché. Et t'as l'impression que Disney ils font plus rien. Enfin, du coup. Enfin, si, Raya, Mulan. Ouais. Ouais mais ouais Mulan, ouais. Ouais Mulan ça doit comment pas être les mêmes à mon avis c'est pas, les non, mêmes non ouais c'est pas les mêmes à mon avis c'est pas les mêmes studios oui. Je pense hein, je dis peut-être une bêtise mais je pense que Disney Animation oui, et je oui, pense oui, oui, mais voilà avant de spoiler attendez j'avais pris les notes elles sont où si je peux dire des choses sans spoiler qu'est-ce qu'on peut dire sans spoiler il y a plein de petits détails qui des gros clins d'œil à d'autres Disney oh bah oui clairement pas forcément tout le temps on a eu un petit clin d'œil à Toy Story un clin d'œil à Cusco ça on peut le dire ouais, ouais. À un moment les personnages ils rentrent dans une taverne voilà et joyeux anniversaire souffle dans tes bougies et je peut-être que cette musique existe vraiment mais en tout cas mais ça m'a fait penser à Cusco ah mais moi c'est obligé parce qu'à chaque fois que je dis joyeux anniversaire je dis pas à la française je dis joyeux anniversaire si c'était notre fête, bah voilà. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai trouvé que la moi voix... j'ai vu une référence à Indiana Jones, mais bon ah, après. Oui. Tomb Raider aussi. Bah beaucoup. De toute façon, ce film tourne autour de la magie, le côté un peu. Et j'ai bien aimé, ouais, ce côté-là, ce côté où la magie a été oubliée. Si, voilà. Même pour si le coup, même... pour le coup, ça change des autres Disney. Ah là, oui, il y a la magie. Enfin, voilà. Enfin, oui, il y a déjà eu de la magie. Mais la magie Disney, Merlin, mais voilà. Il y a la magie à la cliché de médiéval. Voilà. C'est pas la magie des fées, voilà. C'est ouais, ça fait vraiment. Une ambiance un peu Shrek. Ouais, exactement, exactement. Mais sans clafoutis. Non, je rigole. Mais ouais, une ambiance un peu Shrek mélangée à. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce ouais, que ouais, cette ambiance un peu où c'est moderne, mais il y a de la magie. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Le film a une ambiance très Shrek en fait. Ça pourrait totalement y passer. Médiéval quoi, enfin le côté ancien. Enfin, voilà, ancien et en même temps qu'il y a de la modernité parce que bah, style dans Shrek ils ont transformé genre la télé, c'est ah bah oui, magique, oui, enfin voilà. Oui, c'est vrai, ouais, c'est bien vu ça, j'avais pas fait le lien, tu vois. Y a un truc que je peux remarquer, après on y aura plus dans le côté spoil, c'est que on a remarqué tous les deux en même temps que la voix du personnage principal était différente. Ouais. Plutôt que ce soit des voix Donald Renew, c'est-à-dire un mec adulte mais qui a une voix un gamin, peu adolescente, voilà, qui garde, et ben là qui c'est vraiment. Partout. Là c'est vraiment la voix d'un ado. Fin... Vraiment, on dirait. Ouais, hein. Ouais. Je sais pas, on n'a pas été voir qui fait non, la voix, non, mais non. La voix est plus convaincante. Au début, ça nous fait même bizarre. Mais il y a quand même Donald Renew. Oui, il apparaît pas longtemps, mais il apparaît. Ah ouais, ouais il est partout. Moi, il me dérange pas, mais ah non, le non, fait non, de l'entendre partout, maintenant je vois plus le personnage. Je vois Donald Renew. C'est un peu le. La maladie de Jim Carrey ou de ouais, Jack Sparrow. C'est ça, c'est... Oui. Donc oui, voilà, en tout cas, personnellement, je vous le conseille. Tu le conseilles aussi oui, je le conseille, oui. Je le mets bien au-dessus de Soul pour moi, quand même. Bah, après, c'est pas vraiment comparable, c'est pas du tout le même. Bien sûr, mais je sais qu'au niveau. Au niveau création, on peut pas comparer, mais au niveau personnel, oui. je le mets au-dessus. Après. J'ai beaucoup, comme vous l'avez vu, mon avis sur Lucas, que Princesse n'a pas encore vu. Lucas, c'est vrai que pour moi, il est un peu... Entre les... Ouais, je sais pas trop où le mettre, Lucas, mais il est vraiment très, très immersif. J'ai dit, j'ai trouvé Lucas plus immersif que Raya. Mais lui, on est immergé, et comme je vous dis, il y a une aspect... Vous savez qu'il va y avoir de l'émotion à fond, et bah tu oui. Te dis... Non mais c'est vrai que l'histoire est pas longue, tu rentres dedans facilement. L'humour pas... est bien géré. C'est ces bien dernières années, l'humour était très mal géré. Quand tu auras des Marvel, quand tu auras certains Disney, l'humour était mal géré. Mais là, l'humour aussi bien. Dans Lucas, il est très léger. Dans Cruella, il est pratiquement pas là, mais il est. Enfin voilà. Mais et dans celui-là, pareil. C'est ouais. L'humour est là, mais c'est d'ailleurs. Non, on peut pas en parler, t'en connais pas dans la partie spoil, donc voilà, donc... On va passer dans la partie spoil. Allez le regarder, il est sorti, voilà. Partie spoil, voilà, vous vous en foutez ou vous l'avez vu. Donc ce que je veux dire par là, c'est par rapport à la fin, qui est une trop grande happy ending. D'accord, le fait oui. Est que la magie est revenue, même si pour moi je trouve que si la magie dans un monde... Pour moi c'est une grosse incohérence, et si la magie... Et vraiment existé, jamais elle pourrait disparaître au point que pour les gens ce soit que des légendes et que ce soit impossible. Que... Ou genre les fées, elles savent pas qu'elles peuvent voler. Bah, y a l'histoire au début qui raconte, là, où ouais. J'ai pas tout suivi non plus. Mais c'est en gros la magie, en fait c'est tellement compliqué en à maîtriser. Ça s'est estompé, enfin ça c'est les gens bon, l'ont. Voilà, oui. Ils ont préféré la facilité de banal l'électricité, de même si par exemple je comprends vraiment pas le coup des fées qui savent plus voler, enfin qui peuvent. Mais bon, je peux même pas dire que ce soit un défaut. Je dis juste que c'est le genre
de choses que il faut pas expliquer. C'est dans les gènes des fées, j'imagine. Voilà. Et justement, par rapport à la fin, où c'est une happy ending, hein, mais ça, vous pouvez vous en douter, hein, même dans les films maléfiques, enfin, tous les films live, il n'y a aucun Disney qui se finit mal. Ils sont tous crevés. Ouais, ils sont tous morts. Donc, au début, on apprend donc que le père est mort. Et là, qu'est-ce que je dis à Mal? Je me tourne vers elle. Ah, c'est un héros Disney. C'est un vrai héros Disney, il lui manque un parent. Déjà, d'entrée. Ah, dans Lucas, il a ses deux parents. C'est pas un spoil, hein, mais voilà, c'est pas un vrai héros. C'est pas un héros, non. Mais voilà, il a perdu son père, et donc vous êtes là, vous savez donc que ça fait partie de l'histoire principale, c'est que le père est là, mais qu'à moitié, et vous vous dites, ah, ça va être c'est trop... C'est le cas de le dire. Vous vous doutez que ça va être très émouvant, parce qu'il y a du temps, on sait que s'il réussit à ressusciter le père, ça sera sûrement pas longtemps, voire pas du tout, ouais, voire ils vont faire un sacrifice voilà. Pour ne pas le voir, pour sauver... Voilà, mm-hmm. Mais voilà, justement, par rapport à l'happy ending, tout le monde, à la fin... découvre que la magie c'est cool et qu'on peut l'utiliser. Vrai, genre le centaure, le beau-père du héros, Yann. Oui, bah du coup il recourt comme ça. Bah, à la fin il recourt avec ses cheveux dans le vent. C'est très rigolo, mais on se dit pourquoi est-ce que en un seul coup bah, les fées volent la magie. Il y a eu un flash, alors voilà. C'est bon, tout le monde retrouve sa part de magie quoi. Juste à cause du méchant final qui est magnifique, n'est-ce pas? Avec une tête de dragon. Mais c'est vrai qu'on le voyait depuis le début et je me suis dit il va y avoir un truc, est-ce que ça va être un dragon immense mais avec une tête? Bah au final c'est un peu ça. Mais il est stylé quand même le dragon. Hein. Ah oui, il est stylé avec les flammes en rouge, les ailes en fumée, et surtout ce que j'ai trouvé super original, c'est son cri qui est la sonnerie du collège, du lycée. Ouais. Alors ça c'était super marrant. Mais sinon, pareil, pas d'immense révélation, c'est pas un film à révélation. Non. Parce qu'on comprend à peu près à la fin ce qui va se passer. Moi je me dis, oh, il va sacrifier la pierre pour sauver sa mère, et parce que voilà, sa mère est en vie. Mais c'est à peu près ça. Oui, ça c'est à peu près ça. C'est pour dire que c'est pas parce que vous avez pas eu votre père depuis jeune que vous pouvez pas avoir des bons souvenirs ou une bonne évolution avec d'autres membres de votre famille. Il y a des messages forts quand même. Hein. Ouais, ils l'ont fait avec pas mal de trucs. Lucas cache beaucoup son jeu là-dessus avec des messages du style tout le monde a droit à l'éducation, tout le monde a droit, malgré peu importe d'où on vient, enfin, il y a des messages très forts, et c'est vrai que je trouve que là, ils réussissent plus ou moins en ce moment à me réconcilier, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les films qu'on voyait... C'était flan-flan, quoi. C'était... Flan-flan, je sais pas si ça se dit, mais, non, mais c'était flan-flan, un peu. Bah, c'était beaucoup trop du déjà-vu. Ouais, là, on voit un peu de déjà-vu, mais par exemple, dans celui-là, bon, à part mais le côté famille... Mais c'est bien amené. C'est bien amené, la magie est bien utilisée. Ouais. Je me suis dit, peut-être qu'il va y en avoir trop, au final, pas trop. Non, ça va. C'est vrai qu'Yann apprend la magie très vite, mais bon... C'est pour les besoins de la quête. Du scénario, voilà. C'est vrai qu'au niveau de la quête, ils ont assuré aussi de montrer que ah oui, la quête, donc il faut suivre. Enfin, il y a un côté et très... Et puis la confrontation frère et frère, qu'on voit venir dès le début, on sait qu'ils sont très différents, on sait qu'ils vont rentrer en conflit dans beaucoup de... Ça par contre, voilà, c'était à s'attendre, c'est comme dans... J'ai sorti l'image de Frère des Ours, on s'entend bien tout le long, mais on se fâche à la fin. Oui, dans voilà, Lucas, oui. C'est pareil, enfin dans beaucoup de films, c'est comme ça, il n'y a pas de gros méchants, il n'y a pas d'antagoniste dans ce film, à part le temps, peut-être. Ouais, le temps. Le temps, chier. Parce que... Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de méchant. Non, le dragon à la fin, c'est pas méchant, c'est une malédiction. Bah, c'est juste qu'il voilà. veut protéger sa pierre. Voilà, enfin c'est un sort lié à la pierre et... Est-ce que j'ai marqué des choses que je pouvais pas dire? C'est très rare que je marque rien. Là, vous voyez, il y a presque rien marqué. Et là... Et là, il y a plein de trucs. Et là, c'est pour crever là. Oh putain, pardon. Voilà, donc vous voyez, hein, et au cinéma, écrire avec ça, bonjour. Dans le noir. Mais ouais, j'ai rien marqué de spécial parce que c'est un film qui... Ah tiens, parlons d'un sujet qu'on en a entendu parler alors qu'on n'avait pas vu le film. Le premier personnage homosexuel, nous le dit, on nous le montre. C'est pas comme les gazelles dans Zootopie ou les pseudo-trucs Timon et Pumba, voilà, enfin, ou des rumeurs ou des machins. Mais là, c'est vraiment... Non, et en plus, la façon dont elle est faite, elle est vachement masculine. Ouais. Déjà, sur elle, le personnage... Ouais, c'est vrai, alors que les autres cyclopes qu'on avait vus avaient les cheveux longs, tout ça. Donc ils ont vraiment, ils ont pas voulu faire un ou comme dans La Belle et la Bête où tout le monde disait que le fou oui, était, il y a rien, c'est peut-être le cas, mais franchement mais c'était une plutôt de l'idolâtrer à un point, voilà, mais ça va, alors que là c'est vraiment, ah oui, je vous comprends, moi aussi ma chérie a une fille et voilà, il y a un côté, mais après je comprends pas pourquoi la communauté LGBT, enfin qui soutiennent le premier
est pas assez cool, mais qui mettent autant le personnage en avant, le jour où un personnage comme ça sera beaucoup plus mis en avant, je dis oh, tant mieux. Mais c'est vrai que je voyais la photo de cette dame policière partout là, et je me disais mais oui, enfin, on la voit à quoi 3 minutes à peine, dans une scène très rigolote et très bien faite. Ils ont vraiment assuré là-dessus. Ouais. Et autant Soul m'a déçu, autant Lucas est en avant, me dit bah non, Pixar est bien toujours là, il n'y a pas de soucis. Bon, je regarde Lucas alors. Ouais, tu me diras du coup. Donc voilà pour notre avis. Il est sur Disney Plus. Hein. Tout est sur Disney Plus, à part en avant. On comprend pas encore pourquoi. Mais c'est bon. Clair, pourquoi il. Après, moi, c'est pas grave parce que j'aime acheter tous les Disney en animation. Ouais, donc, mais c'est bon, pas grave. Tu vois, voilà. C'est bizarre ça aussi parce qu'ils t'ont fait une plateforme où ils vont te sortir maintenant tous les films, t'as l'impression. Ouais. Non, Cruella il est au cinéma là, oui, il est pas oui, sur oui. Disney Plus. Oui, oui. Mais c'est vrai que oui, non, je suis totalement. Mais voilà, c'est bizarre. Un coup ça sort au cinéma, un coup ça sort sur Disney Plus, un coup. Après, peut-être que c'est indiqué quelque part, mais comme on vous a dit, nous on est entre deux, on est plus jeunes, on n'est pas encore vieux. Et du coup, si on veut pas faire nos souris d'internet à essayer de chercher à chaque fois, oui. Au moins Lucas ça a été une bonne surprise parce qu'il est tombé de nulle part, mais en avant pareil, quoi. Je me disais, il va sortir sur Disney Plus. Quelle meilleure pub de dire en avant sur Disney Plus, c'est vrai. Bah oui, oui, ouais, oui, ouais. Tout à fait. Mais après, écoutez. Surtout qu'ils auraient pu largement. Avec le Covid, le contexte, tout ça, le mettre directement sur Disney+. Comme les gens étaient en confinement, ils étaient chez eux. Tout de suite après. Ça aurait fait plus de. Ou je me suis dit. Ou je me suis dit, ou peut-être le remettre un peu à la réouverture des cinémas. Aussi. Au pire. Aussi. Mais. Tout à fait. Vas-y, écris au cinéma. Allez, c'est parti. Mais voilà, enfin moi je le conseille vraiment. C'est vrai que ces derniers temps on a été assez pessimiste, moi et Mac, quand on a été voir. Après c'était des films live, mais quand on a été voir Dumbo, quand on a été voir. Mais les... je... Voilà. J'ai du mal, moi, maintenant que ces films live ça me. Ouais, bah ouais, bien sûr. Mais vraiment t'as pas encore vu Cruella, toi. J'ai pas vu Cruella, non, j'ai pas vu. Mais vraiment, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est le bon chemin, c'est pas exceptionnel encore, mais c'est le bon chemin qu'ils sont en train de prendre. Enfin, qu'ils sont en train de prendre, ils vont pas le prendre avec tous, on le sait très bien. mais voilà, en tout cas. Donc Cruella plutôt bien. Franchement, ouais. Comme, et toi, du coup, comme on est là, comme vous êtes comme les plus grands là, fans qui sont là, est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que t'as pensé de Raya? Parce que c'est le oui. Film, j'en ai parlé sans toi, du coup, et oui. Les gens ont tous demandé la vie à Princesse. Eh ben, je ne vous le dirai pas. Salut. Non. Oui, moi, j'ai été... moi, je l'ai trouvé visuellement très bien fait, déjà. Après j'ai passé un très bon moment, je l'ai regardé, j'étais toute seule chez moi avec mon chien et mon chat. Et non c'était très sympa, moi j'ai trouvé l'histoire, bon comme toi tu dis c'est sûr ça va vite, les trucs ils s'enchaînent vite. Mais bon, en même temps, c'est un film, ça peut pas durer 3 oui, heures. Oui. Ben moi, comme je l'ai dit, vraiment, ça aurait été une série, j'aurais adoré ouais. Le prendre le temps, un peu comme le Mandalorian qui explore énormément ouais, de paysages ouais. Différents. On a le temps de. C'est vrai que là ça va trop. C'est vrai que là, ça passe très ça très vite, vite, c'est sûr. C'est, Mais moi, j'ai trouvé quand même intéressant le fait de voir déjà les différentes parties du dragon. Mm. Enfin, je sais plus les noms hein, des. Si, il y a les crocs, je crois. Il y a les crocs, la tête, le dos, la queue. Non mais c'est vrai, je crois que non, c'est mais ça. Oui, hein. Je crois que c'est ça. Mais non, j'ai trouvé sympa. Bon après, pareil, hein, le côté papa, machin. Il y a beaucoup de. Pareil, hein. Moi, comme je l'ai dit, je suis désolé, mais l'émotion a pas fonctionné non, pour moi non. parce que le père, on sait qu'il est pas mort, quoi. Bah oui, c'est ça. Et puis bon, elle le retrouve. En fait, lui, il a pas. Papa lifting. Bah voilà, tu vois, c'est. Alors qu'elle, elle a grandi. Genre, il a gagné. 15 ans dans la gueule. Ah ouais, c'est ça, peut-être 10 ans. Hein. Et puis, non, mais après, je le regarderai avec plaisir. Ah, mais moi aussi, je pense que je le regarderai mieux maintenant que je le connais. Après, on voit beaucoup Bayona, c'est la même. C'est vrai que c'est le même. Mais pour le coup, je l'ai trouvé vachement bien, Raya. Ouais, il faudrait que je le revoie aussi je la quand même. Mais... classe. C'est sa copine qui m'agace, un peu. Ah, l'autre princesse l'autre là princesse. Ouais, il y a deux princesses. En fait, ouais qui... Moi, dès le début, je me suis dit, elle a une sale tête, elle va être méchante. Ah oui, même bébé. Ouais, c'est bizarre. Ouais, vous êtes dans la partie spoil, du coup, on pardon, va spoiler un peu. Oui, mais on était déjà dans la partie spoil. Non, de toute façon, en un quart d'heure ouais. On sait que de toute façon, ouais. Non, mais vraiment, si vous n'avez pas vu Raya, excusez-moi pour les spoils. C'est pas très grave. Mais allez hein, le voir. De toute façon, il n'y a pas énormément à spoiler sur Raya. Je crois que je l'avais dit dans mon avis. Hein, y a pas, tu te doutes. Il n'y a rien à se douter. Déjà, même tu te fais beaucoup de films sur ce qui se passe à la fin, le ça passe dragon, rien. Bah, il y a un dragon. Voilà. Waouh, c'est vrai.
qui me fait assez triper, moi d'ailleurs, mais bon. Je trouve ça bête par contre que ses frères et sœurs ne parlent pas. Ouais, il y a plein de trucs bizarres autour de sa famille. Les autres, non. Autour de sa famille, il y a plein de trucs. Voilà. Et ben voilà, en tout cas, ouais, c'est cool. Voilà. vous dites-nous en commentaire tout ça. Si la vie de Lucas, de Princesse, vous intéresse, vous nous le direz. On en fera peut-être une vidéo spéciale. Là, on a fait un peu en mélange parce que du coup, en avant, bah, oui. C'est pas une vidéo qui va être regardée par beaucoup de monde parce que c'est plus trop de l'actualité. Donc, on en profite pour papoter un peu. Et donc, voilà. Et après Cruella, il y a quoi? Et ben, je crois que c'est La Petite Sirène. Hein. D'accord. Je crois, hein. Mais en général, quand un film sort au cinéma de Disney, pas longtemps après, on nous tease le prochain. Donc, mais là, je crois qu'il n'y a plus rien d'annoncé après Raya. Hein. Enfin, à part tout ce qu'il nous avait dit, des petites rumeurs et tout ça, mais... Enfin, nous, comme on dit, on a des surprises maintenant. Ouais, voilà, donc c'est ça, on préfère avoir les surprises et puis pas se... Voilà. On verra bien. Mais La Petite Sirène, ça, je pense que ça va être l'un des prochains live, du moins. Ouais, live. Parce qu'il y a des photos qui ont fuité avec Ariel sur la plage, avec Eric. J'ai vu, je crois que j'ai vu Blanche-Neige. Non. Live. Ah, peut-être. Ils en parlaient il y a longtemps et qu'ils l'appelleraient les 7 nains, je sais pas quoi. Je crois que j'ai vu ça. Mais vous savez, en ce moment, je rêve ou je sais pas. Alors, je me réveille le matin, je dis, je l'ai rêvé ou je l'ai vécu. D'ailleurs, princesse, voilà. tu rêves, là, réveille-toi. Non, mais je crois que j'ai vu Blanche-Neige, je me suis pas sûre. Bon, de toute façon, ils vont bientôt nous faire. Hein. Oui. Bah oui, maintenant, on prend les mêmes et on recommence. Il paraît qu'il va y avoir une Cruella à deux. Non, déjà. Il paraît. Enfin voilà, on espère que cette vidéo, je sais pas combien de temps elle aura duré, mais vous aura plu. Si vous avez trouvé les mots secrets de princesse ou de moi, mettez-le en commentaire, la première personne gagnera donc cette petite enveloppe de cadeaux. On se retrouve bientôt. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais c'est pas grave. À très bientôt. Allez, au revoir. Salut.